nos vlogs. Comment ça va? Oui, là vous devez dire dans les commentaires si vous allez bien ou non. Aujourd'hui, je suis à Dubaï. Je vous explique, aujourd'hui je vais m'infiltrer chez Unchained. Je sais pas si vous savez qui c'est un ami youtubeur que je connais depuis à peu près 2 ans quand je faisais mes petites vidéos Fortnite. C'est un youtubeur que j'apprécie, il est vraiment trop gentil, c'est vraiment un pote. Donc aujourd'hui je vais m'infiltrer chez lui, il ne sait pas que je suis à Dubaï. Mais vous allez vous dire, mais Choco, quel est ton plan encore? Qu'est-ce que tu comptes faire? Et bah c'est très simple, vu que je suis à Dubaï, je vais venir chez lui, dans sa maison, sans même qu'il le sache, par le biais de Danny qui est son manager. Je vais rentrer dans son salon, me déguiser en monstre et je vais être comme ça, genre salut, c'est moi, c'est Choco. Je vais clairement m'infiltrer chez lui sans même qu'il le sache par du coup son manager Danny. Ça va être une dinguerie. Il y a que moi pour faire des trucs comme ça. En tout cas, avant que la vidéo débute, si vous êtes prêts à suivre cette aventure de malade, j'ai trop envie de voir sa tête en fait, sa réaction. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche, on rush les 1 million, donc merci. Évidemment, si vous voulez d'autres vidéos comme ça, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous voulez que je m'introduis chez quelqu'un d'autre en secret. À tout moment, on espionne Unchained, on voit il fait des trucs bizarres. Je suis malade aujourd'hui, je sais pas ce qui m'arrive, je crois que c'est Dubaï. En tout cas, j'espère que vous êtes prêts. C'est parti, je me dirige maintenant chez Unchained. Go prendre le petit taxi direction sa maison. Allez, on y va. Je prends mon sac. Bisous coccinelle, c'est mon doudou là-bas. Au revoir, elle est bien installée elle. Let's go. C'est parti. En fait, je peux pas toquer parce que si je toque, ça se trouve que c'est Charles qui va m'ouvrir. Donc faut pas que je toque. J'ai envoyé un message à Dany pour lui dire que j'étais devant. Coucou. Ça va? Bien, ça va, ça va. Bah là, à Dubaï, je suis venue pour, déjà pour visiter, voyager, etc. Tous les trucs un peu comme ça, donc si tu veux, je sais pas si tu veux des Mais oui, j'ai plein de tenues. C'est quoi le meilleur déguisement, tu penses? Je pense que c'est un qu'on a pas utilisé. Un costume de fête. C'est quoi? Non, c'est un costume de fête. Tu veux un costume de fête? Tiens, vas-y. La réaction. La seconde déguisée en fric en fait. Tu sais que je l'ai bloqué de ma story Instagram pour pas qu'il voit que je suis à Dubaï. Ah oui, mais c'est pour ça du coup. Moi je te voyais là et puis lui il s'en doutait pas du tout. J'étais en mode putain, mais il voit pas qu'elle est là ou quoi, tu vois. Et en fait, il pensait que t'étais pas. Ça va être trop drôle. Ok, je vais mettre le déguisement. Je vais être ridicule. Heureusement que le ridicule ne fut pas. On dirait que je vends des frites. Allez. Ça s'attache derrière. Une perruque, t'as une perruque? Oui, une perruque. Prends blond, tiens, c'est bien blond, ouais, je pense que blond, c'est bien. Ça ira bien avec les frites. Je pense que blond, ça sera stylé. Depuis tard, je chuchote, en fait, ça me stresse. Je me dis qu'à tout moment, il peut venir. Imagine. Il peut t'entendre, en vrai, si tu parles trop fort. Ok, genre là, comme ça, c'est bien. Ça va, ça va. Ok. C'est quoi? On dirait pas sans goût. Un peu, ouais. Je pense, les gars, on peut clairement dire que là, je suis transformée. Je suis ready. Ok, c'est quoi le blanc là? Je vais faire un salon et puis je pense que je l'appelle si tu veux. Ouais, je vais faire ça. Venez, on laisse Dany. Là, il est parti. Unchained pour lui dire ça dans le salon. Il va venir dans le salon, il va rien voir. Et moi, je vais créer surprise en sortant de la cuisine. Ça va être hilarant. Je suis ridicule avec cette tronche là. C'est quoi ça? J'ai oublié de balancer la pub. Bah, c'est pas grave, je la balance maintenant avant que la vidéo débute. Même si elle a débuté depuis un moment. On fait quoi, Choco? Choco, balance la pub. Quand la vidéo débute, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Chocolat Vanilla, activer la petite cloche des notifications, lâcher le pouce bleu et bien sûr à mettre son code créateur Choco dans la boutique de Fortnite. C-H-O-C-O-H. Merci à Dany va s'attendre à ce que je sois là sur le canapé. Mais pas du tout. Par contre, on m'explique pourquoi il y a un putain de sapin alors qu'on est à Dubaï en plein été, on dirait. Costume, je pense qu'on m'aurait cramé. Il est là. T'aimes bien, ça fait un peu végétal dans la... Je suis ridicule, ça va? Non, je devais te faire une surprise, mais voilà. Mais ça fait bizarre que tu sois ici. À Dubaï, mais tu sais que je t'ai bloqué de ma story pour pas justement que tu puisses voir. Tu m'as bloqué? Bah oui. Excusez, j'ai vu ta story il y a 2 secondes. Attends, jure maintenant, t'as vu ma story? Non, mais là vraiment, je vais me dire que la vidéo tourne. Mais oui. J'étais au courant. En fait, j'ai vu, là t'as pris la caisse, j'étais en mode. Mais va où en fait, j'habite là? Non, arrête, tu te fous. La vidéo tourne au drame. Bah voilà, je voulais faire une vidéo espionnage. Bon, comment s'est passé ton avion?
Bah franchement c'est bien passé. C'est en première. Ah oui, il y a une vidéo qui est sortie là. Vidéo en avion, t'imagines, elle est arrivée en classe, incroyable. T'avais quoi? T'avais lit, t'avais salle de bain. T'avais lit, salle de bain, tout. Et le caviar, à manger, dégueulasse. Dégueulasse le caviar? Ouais, pas bon du tout. Ah ouais? Bah je vous invite à regarder la vidéo. Voilà. Genre petit nœud de sapin de. Oui, est-ce que je l'ai dit dans la vidéo? On tu peux m'expliquer? Alors je t'explique, en fait, on a la flemme. Non mais t'as vous abusé. Non, on en avance pour l'année prochaine. Ça c'est l'excuse. Non mais t'achètes une plante. Attendez, je peux retirer ça parce que c'est ridicule. Vous me faites visiter? Ici, ça c'est le setup à Dani. Oh, le setup de Zinzin, il a combien d'écrans? Il en a deux, mais genre ils sont hyper longs, tu vois. Voilà, donc il aime bien se mettre ici dans le salon et tout. Bah, on a un petit espace, des fois on fait des vidéos, en fait on met une caméra là, on fait une vidéo, on est dans le salon. Ou si on a fait un petit décor derrière avec des cartes Pokémon, le petit trophée. Ça c'est une figurine que j'ai achetée pour Noël à Dani. Ok. Pour ceux qui connaissent. Mais attends, c'est ton propre cadeau, je comprends pas là, y'a un problème. Celui-là, c'est mon propre cadeau, oui. Ah oui, non, moi je lui ai offert la petite en fait. Mais on a pas même de la vue que t'as. Bah ouais, après c'est vrai que c'est pas trop mal. C'est pas trop mal, mais bon, on n'a pas la même vue, hein, les gars. C'est vrai qu'on commence à s'habituer en fait. On fait plus trop attention à dehors. Mais quand on s'y pose, on est en mode ah ouais, en fait, c'est quelque chose, hein. Ok, maintenant je vais voir ton studio. On y va pas trop, la petite. En vrai, tu peux y aller, hein, ça va. C'est non, cool. Ça. Dan, on va éviter de. Pourquoi il y a des ordres, vous avez pas fait la scène? Vous êtes sûr? Ouais. Ouais, c'est vrai. Bah après les gens vont croire alors que non c'est. Ouais non c'est clean. En vrai pour des mecs ça va. Là ça regarde, y'a même la cuisine qui a été faite, regarde. Je lui ai préparé de la petite viande. En fait, ouais t'es là, sa maman fait, quoi. J'ai fait un petit plat de pâtes, là y'a un peu du blanc de poulet. J'avoue, non, là, non c'est que. Les restes d'hier et de la salade. Une maman quoi. C'est totalement faux. On a une cuisinière. Ah ce que je comprends mieux en fait. Du coup à ce stade on a deux couloirs. Alors c'est moi qui dois choisir soit la soit là. Vas-y, soit là, comme tu veux. J'ai envie d'aller là-bas, mais je sais pas, j'ai l'impression que c'est un truc de fou. Là, c'est clair, là, c'est pas un peu. Ça, c'est la seule plante qui est en train de mourir. Pourquoi vous la nourrissez pas? Parce que, en fait, on a fait une erreur. C'est qu'on lui donnait de l'eau, on la mettait dans une pièce et elle prenait pas la soleil. Ah, bah oui, bah oui. On apprend ça en primaire. Là, c'est bon, on fait les échelles de linge parce qu'en fait, c'est un peu de son extérieur. Mais c'est quoi, c'est une piscine? Ça, c'est un petit jacuzzi. Wow. Vous allez faire un jacuzzi de slime challenge? Ouais, vite. Ou éviter de détruire le jacuzzi. Se faire virer de Dubaï. Ouais, non, mais là, la vue. Mais vous savez, ça me pensait à New York, hein. Surtout dans la marina, c'est vraiment, on est entouré que de gros immeubles. De la mer, on va un peu loin. Et donc, ça, c'est juste en fait un bout de la marina. On est souvent d'ailleurs qui passe à moi, c'est. Ah, c'est grave beau. Voilà, donc, petit endroit où faire un peu plus chaud. Des fois, on se pose ici, on met la petite clim. Sauf que j'ai un jeu pour toi. Dis-moi, j'ai. Il y a trois portes. Celle-ci. Ouais. Celle-ci. Oui. Celle-ci. Ok, dans une des trois, il y a mon studio. Dans laquelle? La première, la deuxième, la troisième. Dans les commentaires, vous pensez que c'est laquelle? Je regarde, j'analyse sa tête. La caméra, elle est comme ça. Je pense pas que ce soit ici, parce que Dani, il y allait tellement spontanément. Dani, fais genre. Ou alors, celle-ci. Ici, tu m'as dit que c'était sombre, donc je me dis, ça se trouve, ça c'est ta chambre. Je sais pas. Hein. Non, mais moi, je vais dire, ici c'est la chambre de Dani, ici c'est ta chambre et ici c'est ton studio. Elle est vraiment pas mal. C'est ça? Elle est vraiment pas mal. En fait, mon studio fait partie de ma chambre aussi. Ah. En fait, il y a une belle pièce qui est autre chose. Ok. Bonjour. Du coup, oh, mais tu me fais trop peur. On peut commencer par la chambre à Dani. Dani, ça te dérange pas qu'on aille voir ta chambre? Ah, donc c'est ta chambre? Je sais pas, t'es sûr? T'es sûr, t'as tout nettoyé les toilettes? Les toilettes? Tu me dis ça à moi? Allez, on y va. Mais donc j'avais raison. J'avais raison. C'est ma chambre, donc il n'y a pas grand chose, mais ça me suffit. Oh my god, c'est trop mignon. C'est quoi ça? Et ça? Il s'appelle comment? Lui, il a pas de nom, mais lui, il s'appelle Piplop. Piplop? C'est le nom d'un Pokémon. Mais c'est trop chaud. Ok, très sympa. Et là, c'est le trophée des 2000. Il m'a forcé à faire un tableau. L'art abstrait, ouais. Bah, il a voulu faire de l'art abstrait, il voulait dessiner et du coup il a dessiné. Hein. Voilà. Ouais, ouais. Non, franchement sympa. Chaque chambre a une salle de bain privée. Plus c'est trop bon, on n'est pas obligé de sortir en fait de la pièce, tu vois. C'est trop stylé. Bon, on a une salle, sa salle de bain, toilette et lavabo. Enfin, c'est pas immense, mais ça fait le taf, tu vois. Bah, cool, franchement, oui. Alors, non, j'ai l'impression de choisir la bonne porte sur Fortnite. Qui est celle-ci ou celle-ci. Tac, 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 tac. C'est quoi? Et bah, c'est jackpot. C'est jackpot. Bienvenue. Et c'est donc ton studio, mais il y a plein de. Voilà. Wow. Et c'est ta vidéo? Non, c'est une vidéo encore sortie. Hop. Ah, ah, merci. Oh. Et là, on revoit que des trucs de fou, t'imagines? Mais trop stylé. Petit bureau. La petite cam, tu connais, hein, de toute façon, ce que c'est un setup largement. Bah oui, quand même, mais ouais, trois écrans. Hop. Mais limite, Dani a un meilleur setup que toi, là, c'est une dinguerie. Il y a deux trucs qui me posent vraiment un problème. Enfin, genre, pas de problème, c'est je me pose des questions sur toi. T'as vu ce que c'est? C'est ça? Ça aussi, ça aurait pu. Non, mais ça, après, je me doute que c'est le tableau. Oui. C'est le pied ici. Ouais. C'est quoi ce pied? Pourquoi t'as un pied? Tiens, touche-le. Ok. Ah! Ah!
Je sais même pas comment on l'a eu ce pied. Si, moi je me rappelle, c'était des objets bizarres commandés sur Amazon que je t'avais fait et je te l'avais pris. Voilà. Ah, ok, bon, il y a un sens. Il y a une signification. What? Mais en plus, c'est encore pire que ce que j'imaginais. Ok, et maintenant, il y a un dernier truc, mais après, c'est pas trop de ta faute. C'est plutôt un faute de goût ou. Mais c'est pas toi. C'est Dani. C'est quoi cette tête? Quoi? Incroyable. Dani, tu vas-y, je m'en vais. Hey, il me redonne la canne, il a la haine. Non, mais on peut pas le louper. Ils sont jaloux. Non, parce que. Non, vraiment, moi aussi, je trouve que ça donne un peu quand de. Quand j'étais à la PHW, tu disais pas ça, j'ai une photo. Oui, elles étaient roses, elles étaient non, pas oranges. Non, celle-là. Ok, bon, bah, je retire ce que je viens de dire. Mais après, en vrai, je trouve que ça a un charme parce qu'en fait, il y a que lui qui met ça. On peut pas trop le louper, quoi. Donc, franchement, très sympa. Tu connais quand même là ou pas? Qu'est-ce que c'est? Là? C'est sombre un peu, ça fait peur. Là, c'est sombre. Donc là, c'est un endroit en travaux. Ah, mais oui. Bah, tu me l'as montré. Mais j'avais même. Oh, je viens de tilter, mais non, mais j'avais pas vu tout à l'heure. Je te jure, j'avais pas tilté. Elle est là-dedans pour se changer. Mais oui. Si, c'est un endroit qu'on était un petit peu en travaux pour faire des vidéos, mais genre debout. Bon, là, c'est full matos, hein, de vrai, de GoPro et tout. Ce que tu vois derrière, d'ici peu de temps, on va tout changer. Genre là, je vais avoir en avant-première comment sera ton studio. C'est ça, tout ce qu'il va y avoir ici. Ah, stylé ça. Parce que c'est en construction. Et là, d'ailleurs, juste après, ouais, le rendez-vous que j'ai, c'est sur le chantier des gars qui sont en construction. En fait, ça va être tout intégré ici. Et au lieu d'avoir des choses comme ça qui sont un peu, tu sais, le studio basique, on a tenté un truc. Ça sera en 3D. Si tu dis que c'est en chantier et tout, c'est que ça va vraiment être un gros truc. Ouais, si on a 3 mois de préparation. 3 mois. Donc déjà, il y aura peinture. Tu vois. C'est parti, réaction de Choco. Ouais, mais ce sera comme ça. Mais what? C'est une dingue. Mais je comprends pourquoi il y aura un chantier. Et on a vraiment tout les lights, tous les machins, expliquer les lights au plafond, tous ces trucs-là, tu vois. En fait, c'est un sort de gros bunker, tu vois. Et en fait, on pourra ouvrir et passer une pièce secrète dedans. Non, mais incroyable. T'es content de ce projet? Bah, je serais sympa parce que c'était pas mal d'investissement, on va dire. Mais rendez-vous dans 10 minutes maintenant. Allez, hop, ça va être la fin de cette vidéo. On a pu s'infiltrer dans la maison d'Unchained. Est-ce que tu trouves que j'ai réussi mon proc ou pas? Ouais, de ouf. Ok. Ça veut clairement dire non, Choco. Dani, aussi. Non, t'as pas bien préparé le terrain. C'était ton rôle. Ton rôle, c'était de préparer le terrain. Regarde, c'était trop. Dani, prochaine fois, on fera un meilleur prank. C'est très bien, regarde ton déguisement là. D'ailleurs, faut que je le range. Bon, les amis, je fais des très gros bisous. La chaîne d'Unchained. Est-ce que je prononce bien? Ça se prononce Unchained. Unchained. Oh, je dis le gars là. Ok. Unchained. Avant, je disais ça. Unchained. Bon, les gars, je vous mettrai la chaîne d'Unchained dans la description. Je vous fais plein de gros bisous. Un mot pour la fin là. Je fais des bisous et ciao, bye, c'est moi. Oh, moi, j'en reviens. T'as pas regardé ma collection de cartes Pokémon? Si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo, n'hésitez pas à y la zioter, ma vidéo s'affiche à l'écran, donc n'hésitez pas à y la regarder. Je vous fais des très gros bisous.